Radio VL, premier média de jeunes en France. Salut, c'est Mademoiselle K sur Radio VL. J'ai eu une prof au lycée qui s'appelle toujours Annick Chartreux, qui était ma prof d'option musique en fait. J'étais au lycée Claude Monet et j'avais pris option musique, j'étais en littéraire en L. C'est à ce moment où tu vas au putain de CIDJ là, tu dois aller regarder des putains de boulots dans des classeurs, tu comprends pas trop, t'es là ouais bon, orientation machin, tes parents ils flippent, ils te foutent la flip, t'es un peu voilà. Et toi pendant ce temps tu kiffes la musique mais tu t'as pas forcément conscience que tu pourrais peut-être faire ça dans la vie. Puis t'es un peu, il y a plein de choses qui te tracassent, toi aussi tu t'inquiètes de tout et tout. Et puis tu rencontres cette prof qui est géniale et qui te dit Catherine, on n'a qu'une vie, si t'aimes la musique fonce. Tu fais ça, tu fais ça 2-3 ans, puis tu vois quoi, mais tu fais ça à fond, tu fais ça bien, et j'étais là, ouais, tu sais, c'est le genre de personne comme ça qui tout d'un coup t'ouvre une porte et te disent, regarde, la porte est ouverte, t'as juste à rentrer en fait. Et ça, ça a été hyper important, c'est un peu comme une deuxième mère pour moi, je la vois encore aujourd'hui d'ailleurs. Alors Mademoiselle K, ça vient de... En fait, c'est venu par réaction parce que... Je sais plus, j'avais échangé avec une pote et elle m'avait appelé une fois au début du mail, salut, hello Miska. Et j'avais dit non, je trouve ça super moche, Miska, je trouve ça sonne pas du tout. J'ai dit non, moi c'est Mademoiselle. Donc d'abord, il y a une réaction au Miss que je trouvais moche, quoi, tout simplement. Et à un moment, j'avais écrit une chanson qui est jamais sortie, heureusement. Où je disais je suis une Mademoiselle K, machin, je faisais un jeu avec les mots et tout. Et puis j'ai toujours précisé que je m'appelle Catherine avec un K, c'était hyper important parce que c'est comme ça que s'écrit sur ma pièce d'identité, et c'est aussi ce qui représente mes origines polonaises et tout, et ça se distingue des Catherine avec un C, quoi. Donc c'était important à chaque fois de préciser. Et puis Mademoiselle, il y avait ce côté la fille qui se mariera jamais, un peu qui n'appartiendra jamais à personne. Et donc ça, voilà, ça représentait un peu tout ça, et donc c'est devenu Mademoiselle K. Je dois pas sentir comme il faudrait l'argent et le succès, et ça me vexe. Je sais pas si c'est à distance, quoi. Enfin, musicalement, ça a été Nina Simone quand j'avais 10 ans, que j'ai vue à l'Olympia, qui m'a signé un autographe d'ailleurs. Quand je me rappelle, j'avais attendu dehors et je me rappelle de son regard hyper. Elle avait un truc très sérieux, très grave, et en même temps, elle m'avait considéré, parce que je me rappelle, elle m'avait signé mon autographe. Et j'avais été hyper impressionnée par ce concert, par elle. C'est une de mes artistes féminines de référence, parce que c'est aussi une instrumentiste avant d'être chanteuse. Et moi, j'ai fait beaucoup de guitare avant de chanter pendant des années. Et après, ça a été Radiohead. Quand j'avais 15 ans, OK Computer, ça m'a complètement retournée, ça m'a bouleversée. Ça correspondait complètement aux angoisses que j'avais, ça correspondait à toutes mes tortures. J'étais plus Radiohead que Nirvana à cette époque-là, d'ailleurs. J'ai découvert plus tard... Nirvana, mais je pense que c'est les deux, Nina Simone et Thom Yorke. Ils ont dit, on pense que tu vas perdre ton public, c'est une erreur. Voilà, ça a été vraiment en fait une considération marketing, quoi, plus qu'artistique. Et bon, ça fait chier, quoi. Enfin voilà. Donc après, on va pas se laisser abattre. Et je l'ai appelé Cravache, effectivement, ce label, justement. Parce que ce mot représente plein de trucs. Déjà, je suis une fan de chevaux, d'équitation, et bon, je prône pas la cravache spécialement. Je trouve que c'est mieux pour les humains, d'ailleurs, en général, mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'objet, un petit côté SM que je trouve toujours sympathique. Et puis ce truc, bien sûr, de cravacher, faut toujours travailler, faut jamais lâcher l'affaire. C'est comme un truc pour te donner du courage à toi-même. Et donc, c'était une expérience assez forte, parce que du coup, j'étais déjà... assez indépendante dans ce que je faisais, et la maison de disque m'a signé pour qui j'étais, et la maison de disque m'a viré aussi pour qui j'étais, donc voilà. Là voilà, la boucle est bouclée. Ah bien sûr, des doutes, il y en a tout le temps. Après, il y a le doute et le doute. Il y a le doute qui t'empêche de faire quoi que ce soit, et le doute qui te fait avancer. Et jusqu'à présent, le doute m'a toujours fait avancer, donc...
Donc c'est cool, mais bien sûr, quand je suis passée à l'anglais, j'étais la première à me dire, j'ai pas eu de la besoin de la maison de disques pour, enfin j'ai mis 4 ans à le faire cet album quand même. La maison de disques, ça faisait des mois que je l'ai préparé, j'aurais pas dit du jour au lendemain. C'est tout un cheminement. C'est aussi entre les premiers morceaux que j'ai fait en anglais il y a 4 ans et ceux que j'ai fait il y a 2 ans ou il y a 1 an, l'accent était pas le même, j'ai beaucoup énormément progressé. Donc c'est des moments où quand j'ai écrit en anglais, j'ai dit putain, je savais très bien. Je me suis dit, mais pourquoi je voyais ce mur dans... J'ai dit, mais tu te fous dans la merde, ça va être chaud, ça va être dur, quoi. Mais il y avait un truc, une espèce d'instinct, je me disais, ouais, mais j'avais vraiment besoin de ce renouveau, j'avais vraiment envie de l'anglais. Et j'avais conscience du risque, mais l'envie était tellement forte. Et on fait ce métier-là avant tout, surtout encore plus quand c'est la crise. Pas pour se foutre dans la merde, mais pour faire ce qu'on aime, quoi. Même si effectivement, ça a été plus dur parce que mon public, il s'est fait effectivement... La maison disque a raison, il s'est fait sur mon français. Mais je ne l'ai pas perdu. Vraiment, ça a été hyper intéressant de voir comment progressivement on a fait une pré-tournée. Ils sont venus, ils sont revenus, ils ont fait leur idée. Et ils sont toujours là. Et donc après, j'ai conscience que c'est une phase plus dure, mais c'est normal. Comme tout changement, ça ne peut pas se passer. C'est génial. Tu vois, ça met le temps, quoi. Mais je ne le regrette pas une seule seconde. Je pense vraiment que musicalement, ça m'a ouvert des portes. Et je pense que le doute est nécessaire. Ouais. Je suis une grande fan d'Arcade Fire, donc j'adorerais mais vraiment me fondre dans le collectif, tu vois, sans que ce soit spécialement Mademoiselle K and, tu vois, mais voilà, c'est le genre de groupe, la première fois que je les ai vus, ce que j'ai adoré, c'était parmi les premiers. Après il y a eu plein d'autres groupes comme ça où ils étaient 15, tu vois, sur scène, machin, faire des trucs ensemble, mais Arcade Fire c'était... pour moi leur force c'est ça, c'est ce truc où bon, t'as quand même un meneur quoi, voilà, le chanteur principal qui est génial, mais il y a ce truc collectif que je trouve très beau chez eux. Et puis c'est des mecs qui ont un vrai truc fort, comme il y a eu Radiohead quand ils sont arrivés et tout, qui disent un truc qui représente toute une génération, toute une manière de voir le monde que je trouve très belle. Voilà quoi, qui remplissent des stades en même temps, qui ont une vraie éthique quoi, quelque part, enfin, tu vois, qui représente un truc. Je pense que c'est important, ce que j'aime chez les artistes, c'est qu'ils représentent quelque chose. Je trouve ça important. Je veux bien me taire. Mon plus beau souvenir de scène, je parle souvent d'une première partie qu'on a fait de Placebo sur le premier album, juste avant que sorte Ça me vexe. C'était à Colmar, c'était guichet fermé, 10 000 personnes. On avait juste pile 30 minutes pour jouer. Et sur le final, un morceau où je demande est-ce que vous reviendrez, est-ce que ça vous a plu et tout. C'est vraiment un morceau qui s'adresse au public, quoi. Les gens se sont levés et j'ai eu une espèce de retour de boomerang hyper fort. Ça m'a fait presque pleurer, ça m'a hyper touché parce que les gens nous connaissaient mais rien du tout. L'album sortait seulement 2 semaines après. Ça me vexe commencer à passer en radio, mais c'était pas, enfin, on n'était pas connus quoi, du tout à ce moment-là. Et ça m'a hyper ému. Et depuis ce jour, régulièrement, c'est sur le final quoi, qu'il se passe toujours quelque chose. Parce que je pense que c'est un morceau où les gens se sentent hyper concernés, parce que je me demande vraiment eux où ils étaient là juste avant. C'est un morceau où je m'adresse à eux, je veux savoir qu'est-ce qu'eux ressentent en fait. Et donc je pense que c'est vraiment un moment de communion hyper fort, et c'est toujours à cet endroit-là que j'ai des fois que je pleure. Les gens ne le voient pas parce que je suis en train de... je tourne les yeux, mais c'est une espèce de truc exutoire où je crie et je pleure en même temps, c'est un peu bizarre, mais voilà, c'est donc voilà. C'est un label très pointu, il est aussi ouvert et découvreur de talents, et comme on a pu voir avec Tudor Cinema Club ou même avec Citizens maintenant, des groupes qui